Donc Dominique Cour, président du syndicat des artisans taxis de Meurthe-et-Moselle. Alors pourquoi cette mobilisation aujourd'hui à Metz? Alors d'une part, donc, nous manifestons contre deux raisons. La première raison, c'est contre l'article 44 de la CPM, qui prévoit donc une libéralisation pour les offres de transport, pour les sorties d'hôpitaux. Et au profit des grands groupes genre Vortex, Veolia, etc. Donc nous, le transport médical représente plus de entre 80 et 90% de notre chiffre d'affaires, ce qui nous ferait donc un manque à gagner très conséquent. La deuxième chose, c'est contre les voitures de tourisme avec chauffeur qui sont pour nous de la concurrence illégale vis-à-vis du taxi. Alors cette mobilisation à Metz, pourquoi et qui est autour de ce parc des expositions aujourd'hui au niveau des chauffeurs? Donc nous sommes quatre départements, à savoir le département de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, et j'ai vu quelques Meusiens aussi qui s'étaient joints à nous. Nous manifestons donc parce que Metz étant la préfecture de région. Donc voilà. Donc nous allons descendre bientôt maintenant, rencontrer le préfet et lui soumettre nos doléances. Et c'est une mobilisation de combien de taxis là aujourd'hui? Écoutez, là, c'est assez difficile, mais à mon avis, on est bien facilement. Je pense qu'on est 300 taxis, là. J'ai du mal à évaluer, mais je pense que 300, c'est un bon nombre. Mobilisation aujourd'hui pour vous, chauffeur de taxi, artisan taxi? Oui, absolument. Donc là, il y a les gens de Moselle, Meurthe-et-Moselle et des Vosges qui sont venus nous rejoindre à la FIM, à Metz. Alors, ces artisans taxi ont des difficultés particulières aujourd'hui avec cette nouvelle loi qui risque de passer? Alors on a signé une convention, on remise à 15% le prix des courses et on a maintenant plus de 70% de charges. Donc sans nous prévenir, il y a un arrêté gouvernemental qui nous demande maintenant de participer à des appels d'offres. Donc on sera dans l'impossibilité de faire des remises de 20 ou 30% étant donné que maintenant les charges ont augmenté de façon exponentielle. Et c'est des centaines, des milliers d'artisans taxis en France qui vont se retrouver dans des difficultés économiques très graves. Alors, vous êtes combien de collègues sur Metz à être venus, à être mobilisés aujourd'hui? Ben, il y a plusieurs centaines de voitures qui viennent de toute la région. C'est difficile de faire le tri, mais la participation est très importante, non seulement en région Lorraine, mais dans toute la France. Beep, beep, beep.